Alors, le collectif Fil Rouge est issu, il est issu d'un autre collectif qui s'appelle Art Translation. Et puis, avec Art Translation, on est allé en Inde. Et ensuite, on a voulu reconduire ce collectif à La Réunion, en métropole et au Maroc. D'autres artistes se joignent à nous. Et voilà, Art Translation, maintenant, porte les actions de Fil Rouge. Les artistes qui veulent travailler avec nous se retrouvent ensemble, chacun parle de sa démarche, on leur explique ce qu'est Fil Rouge. Le Fil Rouge, c'est ce qui conduit notre vie. Chacun a un fil rouge qui fait qu'il prend des décisions, il fait des choix, et voilà. Et c'est de la même façon dans le travail artistique. Chaque artiste a un fil rouge qui conduit sa démarche. Il s'agit, dans le collectif, de mettre en commun ces démarches pour produire une pièce collective. Et pour ça, il faut se rencontrer, parler, discuter, bien se connaître, faire le travail, faire un travail pour se connaître. Finalement, on a mis au point un protocole de création qui s'est déroulé sur 10 jours à l'atelier Aurel Art chez Aurélie Lemille. Voilà. Et on a décidé de faire ce pantin qui représente un petit peu à la fois l'état du monde, tout ce que chacun a de féminin et de masculin en lui, et qui est un pantin désarticulé, c'est-à-dire que l'humain est fragile et il peut être manipulé, à nous de faire attention. Et en même temps, il est dans une nasse, hein, il faut qu'il se dégage de la nasse. Alors, nous avons la chance d'exposer ici à la BU du Tampon, qui est un lieu très convivial, qui est très éclairé, qui a une forme ovale. Cet ovale permet de tourner autour des pièces, et le fait que cette BU soit implantée dans l'université permet de rencontrer beaucoup d'étudiants. D'ailleurs, il y en a déjà eu beaucoup qui sont venus, qui posent des questions, qui sont intéressés, qui ne sont pas forcément au fait de l'art contemporain, mais qui s'intéressent et qui nous questionnent. Moi, j'ai déjà, de façon personnelle, exposé ici, et je trouve que c'est un lieu très intéressant pour les artistes, parce qu'il y a un bon accueil, il y a une aide à l'installation. Vraiment, c'est très bien. C'est très bien, et je recommande cet endroit.